Faya, dans la région du Borku, le gouverneur Daoud Hamad Béchir a lancé la quatrième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La campagne durera 3 jours et la vaccination est destinée aux enfants de 0 à 5 à 9 mois. Christelle Ngarlomdana. La quatrième phase de campagne de vaccination contre la poliomyélite vise à protéger les enfants de 0 à 59 mois face au virus. Le délégué sanitaire du Bankou, Saleh Korey, sollicite la forte mobilisation de tous les enfants de la région du Bankou pour qu'ils soient systématiquement vaccinés. Dans son mot de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Bankou, le gouverneur Daoud Ahmad Béchir exhorte toutes les couches sociales à s'impliquer dans la dite campagne de vaccination afin d'éradiquer le virus et rendre sains les enfants. Car, dit-il, pas de développement sans la santé. Quelques gouttes administrées aux enfants par le gouverneur et son staff a mis terme à la cérémonie. La campagne durera 3 jours. Un présumé malfrat est arrêté par les forces de défense et de sécurité à Bagassola. C'est un présumé escroc qui a des complices en dehors du pays. Mamadou Souleymane. Doumian Dina Frédéric est le nom d'un présumé malfrat qui a été appréhendé par les forces de défense et de sécurité à Bagassoula et présenté à la presse locale de Bol. Ce dernier s'est déguisé en qualité du directeur général du bureau d'études Bemoguet. Il a pu escroquer 8 millions de nos francs auprès de la population de Bagassoula. Dans ces opérations, Doumian Dina Frédéric agit au nom des organisations internationales qui œuvrent dans la région du lac. Le gouverneur de la dite région, Adoum Forte Amadou, a saisi l'opportunité pour rendre hommage aux éléments des forces de défense et de sécurité pour leur travail. Ça doit être certainement tout un réseau. Il faut démanteler le réseau. Et voyez un peu tout ce matériel, tout ça. Il a racketté les gens et avec ça, il a acheté tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui rackette la population qui est démunie pour se faire installer lui-même. Adoum Forte Amadou demande à la population d'être vigilante afin d'éviter ce genre d'escroquerie. Il rassure la population que Doumia Dila Frédéric sera traduit à la justice pour répondre de ses actes.